Monsieur le Président, le ministre de la Justice en est rendu à inventer des faits pour justifier son projet de loi mal ficelé et anticonstitutionnel sur la cyberintimidation. La Cour suprême a clairement dit non à l'accès aux données personnelles sans mandat. Le commissaire à la vie privée, qui, selon les conservateurs, est une autorité en la matière, estime que ce jugement invalide les bases de C-13. C-13 doit être scindé pour stopper la cyberintimidation tout en préservant le droit à la vie privée. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre va respecter le jugement de la Cour suprême, oui ou non? We always do. We always respect the Supreme Court. We always respect their decisions. The reality here, as I remind you, the Supreme Court's decision clearly stated that the criminal code provisions dealing with voluntary disclosure and immunity do not provide legal authority to access to information without a warrant. And as our government has continually said, Mr. Speaker, those provisions regarding voluntary disclosure and immunity do not provide legal authority for access to information without a warrant. So this is nothing new, Mr. Speaker. We respect the decision. It reinforces the position of the government, and we'll move forward with Bill C-13.